L'apparence. Ne regardez pas ce que vous voyez. Je n'ai choisi aucun cela. Laissez-moi quand même terminer. J'ai prophétisé en 2003 sur Laurent Gbagbo, alors que les Français l'attaquaient. J'ai prophétisé que Dieu allait le défendre, que Dieu allait combattre pour lui. Mais je lui ai dit avant de partir, faites attention, parce que l'ennemi va revenir vous attaquer. Et si vous n'êtes pas préparé, vous allez perdre. C'est exactement ce qui s'est passé à la lettre. J'ai prophétisé, et vous le savez d'ailleurs, 3 mois avant l'élection de Trump, très peu croyaient dans le président Trump. Avant, j'étais un des seuls qui a dit, on peut voir ça sur mon émission totchannel.org, un des seuls, 3 mois avant, j'ai dit que le président M. Trump deviendra président des USA. Ça s'est accompli. Je dis aujourd'hui devant vous qui regardez cette émission dans le monde entier, que dans les 7 que vous avez vus là, dans ceux qu'on va présenter, le dauphin M. Kabila, ou d'autres qui voudraient déjà se montrer, qui ont déjà même organisé des réunions gouvernementales, présidentielles, Dieu n'a choisi aucun de ceux-là. Parce qu'il a quelqu'un. Mes amis, Dieu veut faire quelque chose de puissant pour le Grand Congo. Je dis bien le Grand Congo. Et il a quelqu'un qui l'a oué. Parce qu'on n'a pas affaire, mes amis, à un combat charnel. On a affaire à un combat spirituel. Et Dieu, mes amis, veut manifester sa gloire. Le problème du Congo est spirituel. Et c'est pour cela que Dieu va choisir quelqu'un. Parce que Dieu, mes amis, écoutez-moi bien. On parle déjà du Congo, dans Ésaïe 18, le Sophonie 3, de ce pays qui est près d'un fleuve. On parle, la carte d'ailleurs du Congo, quand j'étais en Israël, se trouve même incrustée dans une synagogue. Dieu a un plan pour ce pays. Écoutez-moi bien. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien, qui poursuivent, qui suivent les actualités, la carte du Congo est apparue il n'y a pas si longtemps que ça, n'est-ce pas, à Goma. Mes amis, Dieu a choisi un oin. Un oin, je dis bien un oin, c'est-à-dire quelqu'un qui craint Dieu. Pas quelqu'un qui se dit chrétien ou qui va à l'église. Vous savez, tous les Congolais vont à l'église. Est-ce que ça veut dire qu'ils craignent Dieu? Parmi ces 7 que vous venez de citer, certains ont même mis la Bible sur leur poster. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils craignent Dieu? Non, mes amis, moi je parle d'un oin qui craint l'Éternel. Écoutez-moi bien, il y a eu une prophétie en 1995. Par le full gospel du plein évangile, certains vont se rappeler de cela au palais du peuple de Kinshasa. Je parle de 1995. Un prophète américain nommé Mel Tari, d'origine indonésienne, a prophétisé une prophétie incroyable sur le pays du Congo. Il a dit ceci, « Dans 2 ans, le pays sera libéré, mais celui qui prendra le pouvoir après Mobutu sera tué. » C'est exactement ce qui s'est passé. Puis je vois une crise profonde dans le pays pendant de longues années. Cela fait 17 ans. Et je vois que tout à coup, quelqu'un que Dieu a oint va arriver. Et le pays du Congo va retrouver une prospérité. Le pays du Congo sera connu dans le monde entier. Ça deviendra la lumière du monde. Parce que j'ai choisi la RDC pour faire régner ma gloire. J'ai choisi ce pays pour que la lumière du monde vienne sur ce pays. C'est pour cela que j'ai oint quelqu'un. Écoutez, ceux qui connaissent, mes amis, qui s'intéressent au Congo, connaissent ces livres, le plan de Dieu pour la RDC par M. Émile Kamimbaya Mogulu. Que dire de la destination prophétique pour la RDC par le messager de Binza, 18 août 1978. Que dire aussi de M. Alain Moloto, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, qui a écrit ce livre, Le plan de Dieu pour le Congo. Ces 3 auteurs parlent dans leur livre du plan prophétique, de la destinée prophétique de ce grand pays. Parce que le Congo est choisi par Dieu. Pendant longtemps, il a été négligé. Pendant longtemps, on a laissé ce pays gouverner de manière illégitime, de manière scandaleuse. Tout est pillé, les gens vivent dans la précarité. Alors que Dieu a donné à ce pays la plus grande richesse du monde. Et c'est pour cela que maintenant il dit, stop, la récréation est terminée. Tout ce qui était permissible, je décide d'arrêter. Je veux qu'on obéisse à ma voix. Je veux que vous laissiez le gouvernement de Dieu s'installer. J'aimerais vous dire, oui, je répète, parole de Dieu pour le Congo. Tous ceux que vous avez vus à Genève et ailleurs, Dieu n'est pas là. Je n'ai choisi aucun de ces 7, va dire Dieu. J'ai choisi quelqu'un d'autre
Priez pour que cela s'accomplisse. Priez pour que ceux qui ont eu des messages prophétiques de Dieu, comme Alain Molotow, comme les messagers, comme ces magnifiques livres, comme ce prophète Matari, s'accomplissent. Parce que c'est le temps de Dieu pour la RDC Congo. C'est le temps où Dieu veut faire manifester sa gloire de manière extraordinaire. Nous devons prier pour cela, pour que le Grand Congo prenne forme. Nous devons prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Non pas premièrement un dauphin, n'est-ce pas, de monsieur le président actuel, non pas un des représentants des sept qui n'est pas la volonté de Dieu. Ne parlons pas de tous ces prétendants dans le monde entier qui se déclarent président du Congo. Mais de laisser, et d'ailleurs j'aimerais vous dire, pasteur Bobo, que ce n'est pas une opposition qu'on aurait en laissant un des sept gouverner. On aurait une continuation, parce que ce sont tous des gens qui ont eu déjà part à des postes.